Bonjour à tous, je m'appelle Boutida Adam, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année d'économie à l'université et je suis le fondateur du projet Cristallium. En résumé, des individus vont recycler des bouteilles en plastique vide dans une machine qui sera positionnée en grande surface. Pour cela, ils auront seulement à les insérer dedans. Une fois les bouteilles insérées, la machine affichera un QR code qu'ils auront à scanner. Et une fois ce QR code scanné, ils recevront de la monnaie numérique, donc 7 centimes par bouteille, donc l'équivalent de 7 centimes en monnaie numérique. Donc une fois ce capital obtenu, ils auront un pluralisme d'utilisation possible. Ils pourront donc les utilisateurs pourront dans un premier temps utiliser les fonds dans la grande surface en question. Ils pourront notamment réaliser un don à l'international ou encore retirer, sous certaines conditions, les fonds en euros, fondamentalement. Pour finir, j'aimerais aborder certains points qui me motivent à développer ce projet quotidiennement. Ce qui fait que je crois en la réussite de ce projet, c'est que plusieurs aspects de l'écosystème existent déjà, mais ne sont pas assez développés, comme le recyclage des bouteilles en échange d'une rémunération ça existe déjà, mais elle est à hauteur d'un centime dans quasiment toutes les grandes surfaces, en bon d'achat uniquement. Je vous l'accorde, pour une rémunération si faible, le mécanisme connaît tout de même un grand succès. Mais par exemple, la machine qui est installée au Leclerc de ma ville a déjà recyclé 800 000 bouteilles en 8 mois. Je vous laisse maintenant imaginer le nombre de bouteilles qu'on récupérera si la rémunération était 7 fois plus élevée maintenant. Donc concernant l'aspect du recyclage, on est certain de récupérer des montagnes de plastique quotidiennement. Voilà.